بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساهلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأقول قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والشرار مهم محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضرارة في النار، والعياذ بالله. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة أخوات، on poursuit donc ce soir le cours 23, le 23e cours de notre explication des noms d'Allah Azzawajal, en se basant sur le livre du noble savant de la Sunna, Abd al-Razak al-Badr, Cheikh Abd al-Razak al-Badr, Hafidallahu ta'ala. Non. On reprend, pour ceux qui ont le livre, en page 153, avec un nouveau nom donc, Al-Fattah. Al-Fattah. Non. Al-Fattah, c'est un nom d'Allah Azza wa Jal. D'accord. Et ça, à voir, c'est sur cette notion de jugement. C'est celui qui juge, c'est lui qui tranche. Al-Fattah, c'est celui qui juge, qui tranche. Si on devait donner une définition très courte. Allah Ta'ala d'ailleurs déclare, dans le sens, Surat Sabah, verset 26, dit « Allah, notre Seigneur, nous réunira ensemble et jugera entre nous en toute justice. Il est le juge souverain dont la science n'a point de limite. » Donc Al-Fattah, c'est le juge souverain. Également dans Surat Al-A'raf, verset 89, dans le sens « Il n'est donc plus question pour nous d'y retourner, à moins qu'Allah, notre Seigneur, dont la science embrasse toutes choses, ne le veuille. C'est en lui que nous mettons notre confiance. Seigneur, veuille trancher en toute équité le différend qui nous oppose à notre peuple, car tu es le meilleur des juges. » Ce nom, Al-Fattah, signifie donc « Celui qui juge entre ses serviteurs comme il veut. » Subhanahu wa ta'ala. Il tranche selon eux, selon sa volonté. Il donne ce qu'il désire à qui il souhaite parmi eux, en fonction de son jugement, qui est relié à sa sagesse et à sa science. Donc tu peux avoir un différend avec une personne parfois, et tu peux invoquer Allah Azza wa Jalla dans ces termes, Ya Fattah, tranche entre nous. Ya Fattah, tranche entre nous. Ya Allah, juge entre nous. Car tu es le meilleur des juges. Et personne ne peut rejeter son jugement, ni contester sa décision et son commandement. C'est pas un juge où tu fais appel, un jugement où tu fais appel. Tu réprimes pas le juge, pas ce juge-là et pas ce jugement-là. Hein? Personne ne peut rejeter le jugement d'Allah Azza wa Jalla, ni le contester, ni discuter sa décision. Parce qu'il est le juge parfait qui donne lieu à des jugements parfaits également. Subhanahu wa ta'ala, na'am. Allah Ta'ala affirme, dans le sens Surat Fatiha, la miséricorde qu'Allah accorde aux hommes, nul n'est en mesure de la retenir. Et ce qu'il retient, nul autre que lui ne peut lui donner libre cours, car il est le Tout-Puissant, le Sage. Naam. Donc hein, je répète, c'est pas comme ça dans les affaires de dunya, comme ça où quelqu'un est juge, il tranche, et on polémique, et on n'est pas d'accord, on n'est pas content, ou même on fait appel. Allah, il donne à qui il veut, il tranche comme il veut, il juge comme il veut. Et Allah est juste, le plus juste des juges, bien sûr. Dans Yani Sanouniya, c'est-à-dire un poème en noun,
Nous, on va le citer bien sûr en français, ça a beaucoup moins de charme, mais voilà. Ibn Qayyim déclame. De même, l'un de ses noms est Al-Fattah. L'ouverture a deux sens par rapport à ses attributs. L'un a trait à la décision, c'est la loi d'Allah. Et l'attribution des subsistances est la deuxième signification. Le Seigneur est responsable des deux, c'est-à-dire donc de la décision et des subsistances. Car c'est de la part du tout miséricordieux de l'équité et de la bienfaisance. Non. Fin de citation. Dans son commentaire des vers précédents, Cheikh Sa'di, rahmallah, souligne « Al-Fattah désigne l'arbitre bienfaisant et généreux. » C'est un arbitre, Allah Azzawajal, bienfaisant et généreux. Allah Ta'ala ouvre de deux façons l'ouverture par rapport à sa décision. Premièrement, sur le plan de la religion, et deuxièmement, sur le plan de la rétribution. Non. Sur la religion, non. Et sur la rétribution. Ensuite, il s'agit de son ouverture relative à son décret. Son ouverture à travers sa décision religieuse renvoie à sa loi qu'il a transmise, Sharia, Naam, par le biais de ses envoyés. Et celle-ci concerne tout ce dont le serviteur responsable a besoin, hein, afin qu'il suive la voie de la rectitude. Quant à celle qui est liée à la rétribution, donc, deuxième type d'ouverture, celle qui est liée à sa rétribution, elle se rapporte au succès conféré à ses prophètes contre leurs contradicteurs et au triomphe de ses alliés sur leurs ennemis. D'accord ? D'un point de vue, hein, deux ouvertures, d'un point de vue de décision, ou plutôt par rapport à sa décision, d'un point de vue de la religion, c'est la loi qu'il fait descendre, et d'un point de vue de rétribution, c'est le succès, c'est la victoire qu'il accorde à ses bien-aimés. Non. Donc, il honore Azzawajal, les prophètes et leurs disciples, et leur accorde le salut, tandis qu'il humilie et châtie leurs opposants. Et ceci, c'est le Fattah qui fait cela. Il tranche et qui juge. Telle sera la victoire qu'il leur donnera au jour de la résurrection, quand il tranchera entre les créatures. Hein, le jour du jugement, il va juger, il va trancher entre les créatures, il va rétribuer chacun pour ses œuvres. À propos de son ouverture, enfin relative au décret, il a vu religion, rétribution et au décret alors. Il est question de tout ce qu'il a décidé pour ses serviteurs, en fait de bien, de mal, de bénéfice, de préjudice, de don ou de privation. Tout ça, ça rentre dans le décret. Hein, le bien qui touche, le mal qui touche, le bénéfice, d'accord ? Le préjudice, le don ou la privation. Qaddarallahu ma sha fa'al, na'am. Et ceci donc est en rapport avec son décret. Et de même, Allah ici juge en toute sagesse par rapport à ses créatures. Allah Ta'ala dit dans Sourate Fatir, verset 2, dans le sens « La miséricorde qu'Allah octroie aux hommes, nul n'est en mesure de la retenir, et ce qu'il retient, nul autre que lui ne peut lui donner libre cours, car il est le Tout-Puissant, le Sage. » Ça, c'était pour le premier point. Et le Seigneur Tout-Puissant est l'Omniscient, celui qui a donc la science parfaite, subhanahu, et celui qui ouvre les portes du bien, de tout le bien. Il donne accès à ses serviteurs obéissants au trésor de sa générosité et de sa bienfaisance. Et il donne le contraire à ses ennemis. Et ça, encore une fois, j'aime toujours à le rappeler, c'est pas avec une vision de dunya qu'il faut comprendre cela. Parce que sinon, on est très égaré, on est très très ignorant des sunnans d'Allah Azzawajal. Je répète, Allah Ta'ala est l'omniscient. Et il est celui donc qui ouvre les portes du bien. Du khayr. Mais qu'est-ce que le khayr? C'est la richesse ici-bas, c'est avoir tous les trésors ici-bas. C'est pas ça le bien. Ça, ça veut rien dire. Ça, c'est du vent. Pour vous parler très clairement, c'est de la poussière, c'est du vent. Ce bas monde éphémère, ça ne vaut rien du tout. Quelqu'un n'est pas favorisé parce qu'il a de l'argent ou une situation où on est marié. Non, pas du tout. Il peut être favorisé en ayant cela. Mais ce qui montre qu'il est favorisé, c'est son dîn, c'est sa religion. Donc je répéterai toujours, on n'a pas à être émerveillé à envier des gens qui ont les biens éphémères de ce bas monde. S'ils n'ont pas de dîn, ils ne sont pas enviables. Vous comprenez? Leur situation est critique. D'accord? Donc, quand on dit qu'Allah ouvre les portes du bien et donne l'accès à ses serviteurs obéissant au trésor de sa générosité, pour certains, ils pensent que la générosité d'Allah Azzawajal, ça se situe dans quoi? Dans l'obtention
des biens, dans l'obtention des facilités, des faveurs dans ce bas monde. Ils se disent, Allah s'est montré généreux envers lui. Allah lui a beaucoup donné. Et si quelqu'un n'a pas ça, Allah l'a privé. Ça, c'est de l'ignorance pure et simple. On le répétera toujours, toujours et toujours. Il donne accès à ses serviteurs obéissants au trésor de sa générosité, c'est-à-dire sa miséricorde, de son pardon. Il donne de la science, naam. Il préserve. C'est ça, le bien. D'accord ? Générosité et bienfaisance dans ce sens-là. Et il peut aussi, bien sûr, avoir une petite part de bonheur ici-bas et quelques faveurs comme ci, comme ça, matérielles. Mais c'est pas le premier point à prendre en compte. Et quand on dit qu'il donne le contraire à ses ennemis, c'est ça. C'est qu'ils sont châtiés en vérité. Même s'ils sont très riches, en bonne santé, ils vivent longtemps, ils sont châtiés par rapport à cela. Ils sont éprouvés, ils s'enfoncent. Ils n'ont aucune science. Voyez une personne qui n'a pas de science, qui est égarée. Comment on peut dire que Naam, Allah lui a fait miséricorde et on voit du bien chez cette personne-là? C'est pas possible. Mais tu vois cette personne-là heureuse, soi-disant, et souriante, et elle a tout. Mais en vérité, elle a été privée de tout le bien, elle n'a pas la religion. Si une personne est dénuée de religion, comment on peut voir un quelconque bien chez cette personne-là? C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est avec ce regard-là, je le répéterai toujours, je m'en lasserai jamais, c'est avec ce regard-là qu'on doit juger entre les gens, c'est-à-dire juger dans le sens, se dire est-ce que c'est une personne qui est dans une bonne posture ou non? Ou est-ce que moi je suis dans une bonne posture ou non? C'est pas avec les questions de santé, d'argent, de... Subhanallah, il y en a, plus ils sont éprouvés, plus ils pensent qu'Allah les déteste. Mais il y a un hadith qui dit, quand Allah il aime une personne, il le soumet aux épreuves. C'est complètement contradictoire. Hein, il faut se reprendre. Être éprouvé, ça fait du mal au nefs, mais ça ne doit pas faire du mal à la foi. Le nefs, il peut se sentir un peu ébranlé, mais pas à la foi. Mais ils pensent, je répète, que plus ils sont éprouvés, c'est-à-dire qu'ils sont détestés dans Allah Azzawajal. Et moins ils ont d'épreuves, ils pensent, plus ils sont aimés. Hein, comme on disait, je l'ai aussi beaucoup répété, un point tel, on voit des rappeurs aujourd'hui qui disent « Dieu merci, j'ai percé dans le monde du rap. Dieu merci, c'est Allah qui donne. » Allah, il a interdit toute la débauche, eux ils sont dans la débauche, et c'est Allah qui leur a donné ça, ils sont très contents, ils remercient, ils disent « Alhamdulillah, j'ai la baraka. » C'est un non-sens. C'est un non-sens. Ils ne sont pas du tout dans le bien. D'accord ? Et pourtant, ils se sentent aimés, favorisés. En vérité, ils sont châtiés, ils sont éprouvés, ils sont égarés. Hein ? Et une personne, tu peux la voir pauvre comme ça, mais elle a, alhamdoulilah, une bonne compréhension de la religion, elle s'attache à son dîn, c'est elle qui est préservée et qui a été et a mis comblée de la générosité d'Allah Azzawajal. Mais ça, les gens ont du mal à le comprendre, fit dunya. C'est dans l'autre monde qu'ils vont le comprendre. Qui est qui ? Ce bas monde, il n'a aucune valeur. Allah, c'est une charogne. Donc, il peut avoir 4 Ferrari et 15 femmes autour de lui et 3 milliards sur son compte, et après ? Et dites-moi, et après ? Ça vaut rien tout ça en vérité. Ça, c'est de la poudre aux yeux pour les gens attachés à ce bas monde, mais ça vaut rien pour celui qui sait que c'est de la poussière. Ça brille, oui, ça brille, c'est vrai, mais ça ne vaut strictement rien du tout. La ilaha illallah, bien compris, ça, c'est un trésor. Ici-bas et dans l'au-delà, ça, c'est un trésor. Les Ferrari, c'est de la tôle. C'est de la tôle. Et les femmes tout autour de lui, c'est, excusez-moi l'expression, quelques morceaux de viande et d'os. Ni plus, ni moins. Les maisons, c'est de la brique. Mais mettez tout ça en poussière. Voilà, essayez d'imaginer un petit peu, vous brisez, vous savez, vous broyez toutes les Ferrari. Vous broyez les maisons et vous broyez les femmes là autour de lui. Qu'est-ce qu'on a? Un amas de détritus. Il y a de la brique, de la poussière, de la tôle, de la ferraille, des os, du sang. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut le voir. Il est où le trésor? Non, ils sont émerveillés par ça. Ah, lui, il est vraiment favorisé. Par contre, le la ilaha illallah, sincère, compris, médité, propagé, cette foi-là, ça, c'est un véritable trésor. Un trésor inquantifiable. Ça, c'est valable, ici-bas, et surtout dans l'au-delà. La grande valeur, elle va se révéler dans l'au-delà. Hein, à partir du moment déjà où la personne sera dans sa tombe, elle verra c'est quoi le poids de la ilaha illallah. Dans la tombe, ça sert à quoi les Ferrari, les femmes, l'argent? Explique-moi, ça sert à quoi? La gloire, le succès, ça sert à quoi? Par contre, la ilaha illallah, là, ça sert. Ça sert déjà ici, mais ça sert aussi après. Surtout après, non, là que tu vas le comprendre, Inch'Allah ou Ta'ala. Donc ça, c'est ça le vrai trésor. Le vrai trésor, il est là. Il n'est pas dans les choses de ce bas monde. Mais très très peu de gens le comprennent et le conçoivent. D'accord ? Donc Allah, il donne accès à ses serviteurs obéissants, au trésor de sa générosité, de sa bienfaisance, et il donne tout le contraire à ses ennemis. Tout ceci se réalise selon sa faveur et son équité. Non. L'auteur poursuit. C'est-à-dire...
Le nom d'Al-Fatah a deux sens. C'était Cheikh Abdel Razak al-Badr qui reprenait Cheikh Saadi qui yani, reprend. Le nom d'Al-Fatah a deux sens. Le premier renvoie à sa décision pour statuer sur une chose opposant ses serviteurs. Le premier sens d'Al-Fatah, c'est la décision d'Allah Azzawajal qui statuera sur une chose opposant ses serviteurs. Il juge entre eux par sa loi et tranche, en récompensant les obéissants et en punissant les désobéissants. Dans ce monde, directement, aussi bien que dans l'au-delà. C'est-à-dire que tu es indifférent avec quelqu'un, tu vas invoquer Allah Azzawajal en ces termes, « Ya Fattah, tranche entre nous, Naam, et Allah Azzawajal va récompenser et assister l'obéissant dans cette affaire et punir le désobéissant. » Ici déjà, comme il veut, subhanallah, hein, comme il veut, subhanallah, quand il veut, c'est pas toi qui décides, et après aussi, Naam, et après. Allah Ta'ala affirme surat Sabah, dans le sens, Allah, notre Seigneur, nous réunira ensemble et jugera entre nous en toute justice. Il est le juge souverain dont la science n'a point de limite. Ou encore, Seigneur, veuille trancher en toute équité le différend qui nous oppose à notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Donc quand on a des problèmes avec des gens, surtout des gens yani de la désobéissance, de l'égarement, etc., des gens qui nous font des injustices, même des koufars, on demande à Allah Azzawajal, Ya Fattah, aide-moi, tranche entre nous. Et Allah, Naam, c'est ce qu'il fait. Et il est juste, et il tranchera, et il jugera. Naam, point de doute. Le premier verset, donc, ici, fait référence à un arbitrage entre les serviteurs, Yom al-Qiyam. Yom al-Qiyam, il y aura un arbitrage entre les serviteurs. Dans ce bas monde, Allah Ta'ala attribue la victoire à la vérité et à ses partisans, toujours. Même si le faux et les partisans du faux font bonne impression, ou s'ils sont nombreux, ces partisans-là, etc., mais la vérité l'emporte toujours. Il avilira la fausseté, toujours, le faux, il les voit disparaître. Il avilira la fausseté et ses agents, sans compter qu'il leur infligera certaines punitions. Et après, les punitions sont différentes. Il peut être puni dans la personne, celui-là il peut être puni dans sa personne, dans ses biens, mais qu'est-ce qu'il y a de pire que d'être puni dans sa religion ? Celui-là, il a perdu de sa santé. Très bien, c'est une chose de dunya. Il a perdu dans ses biens, c'est une chose de dunya. Il a perdu dans sa famille, dans son honneur. Si vous voulez, ce sont des choses qui atteignent. Mais il n'y a pas pire punition que d'être atteint dans sa religion. Donc, lorsqu'Allah inflige certaines punitions à ces gens-là et les égare, c'est vraiment là la grande punition d'âme. Donc ça, c'était pour la première signification. Et la deuxième, et qu'Allah ouvrira à ses fidèles toutes les portes du bien, car la miséricorde qu'Allah accorde aux hommes, nul n'est en mesure de la retenir, comme on le citait dans le verset 2 de Sourate Fatir. Ainsi, Allah octroie les bienfaits relatifs à ce monde et à la religion. Il lève les verrous des cœurs de ceux qu'il a privilégiés, par sa bonté et sa prévenance. C'est-à-dire, il les facilite à l'acceptation du dîn, à la compréhension du dîn. Il lève les verrous des cœurs, parce que c'est lui qui guide. Le doa qu'on doit répétez tous les jours, au moins une seule fois, au moins. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Toi qui retournes les cœurs, raffermis le mien sur ta religion. Donc Allah, il lève les verrous, il déverrouille les cœurs de ceux qu'il a privilégiés, en leur facilitant l'accès au dîn, le raffermissement sur celui-ci, et la bonne compréhension également. Naam. Et il les comble de connaissances divines et de vérité spirituelle pour les rendre pieux et les amener à demeurer sur la voie droite. J'entends par là, dit le Shir, qu'il confère à ceux qui l'aiment et qui se tournent vers lui des sciences divines, des états spirituels, des lumières brillantes, ainsi qu'une compréhension et des saveurs sincères. Ça, c'est tout ce qui a trait à la science et à la foi. Il n'y a que les croyants qui peuvent connaître ça. La saveur du ilm, la saveur de la foi. Personne parmi les koufars ou les très désobéissants ou les égarés ne peuvent connaître cela. Ce sont des choses vraiment, c'est des privilèges accordé à des privilégiés. Allah fait accéder ces gens également aux portes des subsistances, en leur facilitant la voie et les moyens. Il ne manque de rien en vérité. Ya subhanallah. Il fournit aux pieux des nourritures et des ressources inattendues, par des moyens sur lesquels ils ne comptaient même pas. Et à ceux qui placent leur confiance en lui, il donne encore plus que ce qu'ils sollicitent et espèrent obtenir. Celui qui place sa confiance en Allah, c'est pas comme celui qui va se débrouiller seul. Naam, il va se reposer sur les causes. Allah va certes lui accorder sa subsistance à une telle personne,
Hein? Mais en vérité, celui qui se remet vraiment à Allah Azzawajal, non seulement il va lui accorder ce qu'il espérait, mais il va donner encore plus, il va rajouter encore plus que ce que la personne a sollicité et espéré obtenir, et de loin. Et également, Allah résout les difficultés de ses serviteurs pieux et leur ouvre les portes verrouillées. Naam. Fin de citation. Le Shir Sa'adi, naam. Dans son livre, Fatal Rahim, Al-Malik Al-A'lam. Donc, ils sont favorisés de différents points de vue. Ici, on l'a vu, par rapport à la subsistance, la grande générosité, et aussi par rapport au fait que leurs soucis sont résolus rapidement et de même de manière inattendue. Naam. C'est la raison pour laquelle les envoyés se tournaient vers lui, subhanahu, pour lui demander de statuer sur le conflit qui les opposait à leur peuple. Parce qu'ils savaient, les messagers, qu'ils ne pouvaient rien faire sans l'aide d'Allah Azzawajal. Hein, à propos de Nuh. Seigneur, dit Nuh, mon peuple me traite d'imposteur. Tranche clairement entre eux et moi et sauve-moi, ainsi que les croyants qui me suivent. On l'a vu dans le cours de mardi dernier, là, sur l'histoire de Nuh. Et également, il rappelle une partie des invocations de Shu'aib, alayhi salam. Seigneur, veuille trancher en toute équité le différent qui nous oppose à notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Ça, c'est l'invocation de Shu'aib, Naam, par rapport à son peuple. Allah Ta'ala aussi dit dans Sourate Ibrahim, au verset 15, dans le sens, les prophètes demandèrent alors à Allah la victoire, et aussitôt, tout tyran insolent fut déçu. En d'autres mots, les envoyés requièrent l'aide de leur Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala, contre leurs peuples respectifs. Bien sûr, pas tous les membres du peuple, que les opposants. Une autre explication a trait au fait que les nations souhaitaient qu'Allah décide de leur sort. C'est-à-dire qu'elles avaient hâte de voir Allah faire la différence entre ses alliés et ses ennemis en leur accordant la victoire, c'est-à-dire au premier. Hein? Non seulement ils se reposaient sur Allah, ils demandaient l'aide d'Allah Azzawajal, d'accord ? Parce qu'ils en avaient besoin, parce qu'ils étaient opprimés par leur peuple, mais aussi parce qu'ils voulaient réellement qu'Allah voilà, décide et tranche. Ils avaient hâte de voir Allah trancher. Nous aussi, Inch'Allah, on peut ressentir cela parfois. Une affaire, on voit des injustices, on voit des choses. Je pense notamment à une affaire en particulier, quelque chose qui est dans mon cas propre, personnel. Ça ne me touche même pas moi directement, mais c'est indirectement. Ça me touche moi par l'intermédiaire d'une personne qui m'est chère. Non. C'est-à-dire que on vient faire du mal à une personne qui m'est chère. Donc vous voyez, c'est pas moi qui ai touché directement, mais indirectement. Et ça dure, mais Hasbunallah wa ni'mal wakeel, et Allah, il est avec les endurants et les patients. Et ça dure, et ça fait longtemps que ça dure, cette histoire. Non, vraiment. Ah, on est sur environ presque un an. Ah, c'est quand même, hein, pour un être humain, c'est long, un an. Non, pas pour Allah Azza wa Jalla. Allah sait ce qu'il fait. Ça peut durer encore et un jour, un mois, un an, 10 ans, El Mouhim. Et il s'avère, et c'est vrai, quand je lis ça, ça m'a rappelé cela, que j'ai hâte, oui. Et je dis, ya Fatah, tranche entre eux et nous, c'est-à-dire entre les opposants et ceux qui, de ce que je juge moi, font du mal, et nous, et ceux qui nous embêtent, qui nous oppriment, et qui nous font du tort. Et effectivement, j'ai cette hâte de voir Allah faire la différence entre nous et eux. Hein? Et je m'estime être dans le camp des alliés et eux dans le camp des ennemis, les autres, les opposants. Là. Naam. Donc on espère, bien évidemment, pour cette affaire, et pour les vôtres aussi, hein, à chaque fois, hein, la victoire. Mais c'est vrai que ça a une certaine saveur. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est jouissif. Parce que tu vois qu'Allah, Naam, a appliqué son jugement à trancher. Tu es ravi. Tu es ravi, tu es heureux, tu es comblé. Et yani, qui tranche mieux et qui juge mieux qu'Allah Azzawajal, qui décrète mieux qu'Allah Ta'ala. Donc c'est ce qu'on attend. Naam. C'est ce qu'on attend tous. Et je pense qu'on a tous cette hâte, hein, lorsqu'on voit qu'Allah tranche. Donc, il y a aussi cette notion-là. Et on a besoin de l'aide d'Allah. Et aussi, on est dans la hâte du secours d'Allah Azzawajal. Voilà. Parce qu'il est... Comment dirais-je ? Il est implacable. Hein, il est implacable. Lorsque la personne, ça y est, en face, elle a perdu. Ah, mais c'est Allah Azzawajal qui l'a mis à terre. C'est fini, elle a échoué. Par des moyens, par un cheminement,
que nous-mêmes on n'aurait pas pensé. Nous, on a un opposant, si on est un peu sanguin, c'est « Ah, je vais le taper ». Mais là, en fait, tu me fais du tort à toi-même. Plus de problèmes qu'autre chose. « Ah, je vais régler ça comme si. Ah, je vais régler ça comme ça. » Vous comprenez ? Ça, c'est pas une solution. Allah, il a ses solutions, il a son plan, il planifie mieux que nous. Et quand le jugement, il tombe, quand la sanction, elle tombe sur les injustes, ça pouvait pas être mieux. Comme l'histoire de Pharaon. Il l'a laissé, Allah Azzawajal. Hein ? Jusqu'au moment où quoi ? La sanction a été terrible. Humiliante et terrible et finale. C'était sa fin, c'est terminé. Donc, sur les gens comme ça qui nous font du tort, c'est pas le tout d'aller, vous savez, hein, s'énerver, patience. Laisse Allah Azzawajal, Al-Fattah, trancher, juger. Patience. Quand ça va tomber sur eux, ça va être implacable. Implacable, il n'y aura plus rien à dire, plus rien à faire, ils seront au pied du mur. Et là, tu pourras savourer. Donc Allah nous rende justice. Je parle sur mon propre cas, mais pour vos affaires aussi. Qu'Allah rende justice aux justes, aux musulmans, aux croyants, et humilie les pervers, les injustes. Naam, dites amis. Et selon Ibn Kathir, par rapport à ce qu'on a dit ici, les deux explications sont plausibles. Hein? Allah Ta'ala a exaucé les invocations de ses envoyés, la paix soit sur eux, en réglant par la vérité les différends les opposant à leur peuple. En effet, Allah Ta'ala a envoyé son commandement pour secourir d'une part les messagers d'Allah et anéantir d'autre part leurs ennemis parmi les mécréants qui les attaquaient injustement. Non. Une autre ouverture d'Allah, Azza wa Jal, concerne la décision qu'il rend Yawm al-Qiyamah quant au désaccord existant entre les gens. Il dit, hein, « Dit Allah, notre Seigneur, nous réunira ensemble et jugera entre nous en toute justice. Il est le juge souverain dont la science n'a point de limite. » Donc Allah, Azza wa Jal, se prononcera sur les hommes, de manière à ce que le véridique se distinguera du menteur. Celui qui a raison se différenciera de celui qui a tort, et celui qui méritera une récompense s'illustrera par rapport à celui qui mérite un châtiment. C'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jal donne au jour de la résurrection le nom de jour de la victoire. Comme dans Surat Al-Sajda, verset 29, dans le sens « Dis-leur, le jour de la victoire, il ne servira à rien aux négateurs de se convertir, et plus aucun délai ne leur sera accordé. » Le jour de la victoire, hein, là où les comptes sont réglés, et là où tout le bien revient à ceux qui le méritent. Naam. Toutes les injustices sont réglées. Naam. Hein, tout est tranché. Walhamdulillah. C'est-à-dire qu'au jour de la résurrection, à ces gens-là, vous n'aurez que votre punition, car on aura déjà tranché la question sans que vous soyez négligé. En outre, il n'y aura aucune possibilité de se racheter. C'est ici qu'il faut se racheter, même si tu fais du tort à quelqu'un, tu as commis une injustice. Naam. Ceci étant, si le serviteur est convaincu que c'est son Seigneur qui lui ouvre les portes du bien, il lui appartient de se tourner convenablement vers lui pour lui demander, subhanahu, de lui donner l'accès à la voie droite. Hein ? Guide-moi donc, ya Rab, guide-moi, de lui faciliter la subsistance, donne-moi, et de lui octroyer sa miséricorde, pardonne-moi, et de préparer aussi sa poitrine à accepter le bien. C'est-à-dire le bien, la vérité, le conseil, naam. Demande Allah qui nous montre le haq comme haq, hein, et le batil comme batil. Et dans Surat Az-Zumar, au verset 22, dans le sens, il est dit « Quel bonheur pour celui dont Allah a ouvert le cœur à l'islam et qui détient ainsi une lumière venant de son Seigneur. Non, malheur donc à ceux dont les cœurs demeurent insensibles à l'invocation d'Allah. » À l'évocation d'Allah. Ceux-là sont dans un égarement manifeste. Et certes, alhamdoulillah pour l'islam. D'avoir cette conscience sur cette vie éphémère, sur l'au-delà. Sur le bien, qu'est-ce que vraiment est le bien ? Wallahi, ceux qui n'ont pas l'islam, ils n'ont aucun bien en eux, ils sont perdus et insouciants. Wallahi, masakin, ce sont eux les vrais masakin, les pauvres, les misérables. Vraiment, quel bonheur pour celui dont Allah a ouvert le cœur à l'islam et qui en plus a une bonne compréhension. Celui où Wallahi, il est sur l'islam, il a une foi, il pratique et en plus il comprend bien son dîn. Il a vraiment un trésor, il a tout le bien réuni en lui, même s'il a ses épreuves dans sa vie. Il a vraiment tout le bien, quel bonheur. Alhamdulillah pour l'islam. Je dis Alhamdulillah pour l'islam, encore Alhamdulillah pour l'islam qui est un bien pour notre vie d'ici-bas, hein, et pour notre au-delà. C'est tout le bien qui est contenu dans ce dîn. Vraiment, c'est un grand honneur, un grand privilège que de faire partie des membres, que nous soyons des membres de cette communauté. Non, d'autant plus, deuxième privilège d'être parmi les gens de la Sunna, réellement. Donc on doit aussi s'en rappeler, hein, chaque jour, hein,
quand ils voient les gens, ils se manger, boire, dormir, et ils ne pensent qu'à ça. Et ils n'ont pas de réponse à leurs questions, parce qu'ils s'en posent forcément, hein, cette vie, l'après, etc. Aucune réponse à leurs questions, ils sont dans le flou total, ils n'adorent pas la rase au gel. Vraiment, alhamdoulilah pour l'islam. C'est vraiment là, j'allais dire une ni'ama, mais c'est la plus grande des ni'am qui soit. Compris le but de ton existence et apprendre à cheminer correctement. Naam wallahu a'lam. Pour Al-Qurtubi, il dit, il n'y a aucune limite à cette ouverture et à cette préparation. Chaque croyant ayant reçu son lot. Donc de différentes manières. Il n'y a aucune limite à cette ouverture et à cette préparation. Ouverture donc à l'islam, cette préparation à l'acceptation de la vérité. Les prophètes ont bénéficié de la plus grande part, forcément. Alors les prophètes ont bénéficié de la plus grande part d'ouverture, suivi en cela par les saints, puis par les ulema, et finalement par le commun des croyants. Allah n'a désappointé que les mécréants. Il n'y a que les koufars qui effectivement ont été écartés de l'islam. Donc en fait, ils ont été écartés de tout le bien. Celui qui a l'islam, il a été rapproché de tout le bien. Celui qui n'a pas de din, il a vraiment été écarté. Excusez-moi. J'ai reçu un message, ça m'a perturbé. Celui qui a été sur l'islam, il a été sur tout le bien. Et celui qui a été privé de l'islam, il y a vraiment aucun. Il a été privé de tout le bien. Non, voilà ce que je voulais dire. Excusez-moi. Pour ceux qui ont compris que cette dunya n'est pas un jeu, mais qu'un test. Ils sont sur le bien. Pour ceux qui ont compris l'inverse, Allah les guide sincèrement. Non. Dans le Sahih Muslim, Abu Hamid rapporte d'après Abu Usaid que le messager d'Allah a enseigné « Quand l'un de vous entre dans la mosquée, qu'il dise « Ya Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde et oh Allah, accorde-moi tes faveurs. » Quand il en sort, la miséricorde, la faveur et le bien sont tous dans la main d'Allah Azzawajal. La miséricorde, la faveur et le bien sont tous dans la main d'Allah Ta'ala. Il les attribue et les facilite à qui il veut. Tout ceci fait partie des effets et des exigences de ce nom. Al-Fattah. Naam. Parce qu'il juge, il tranche, naam, il donne ce qu'il veut à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'on pourrait dire donc sur ce nom. Naam. Notamment, hein, avec les doigts ici, là, à l'entrée de la mosquée. Ouvre-moi les portes de ta miséricorde, ouvre-moi les portes du bien, de tes faveurs. Naam. Lorsqu'on sort. Donc nous demandons Allah Azzawajal par ce sublime nom et nous le supplions, car c'est lui qui est à même d'ouvrir et c'est lui le meilleur de ceux qui s'y adonnent, bien d'ouvrir nos cœurs, dit le Shir, afin qu'ils soient disposés à la foi authentique, voire à la conviction inébranlable, al-yaqin, et de les guider pleinement. Dites Amin. Et nous le sollicitons de nous ouvrir les trésors de sa miséricorde également, les portes de sa générosité, ainsi que les tables de ses faveurs, de sa bienfaisance. Hein, et la vastitude de ses grâces. Il est certes celui qui entend tout et exauce les invocations. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala. A'lam wa ahkam. Subhanaka huma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayka. Naam. Et on a terminé pour l'explication de ce nom. Le prochain, ce sera lié à l'entente, à l'écoute. Celui qui entend toutes les voix, dans toutes les langues, de tous les niveaux de décibels, il entend tout, une nuit parfaite, une nuit qui convient à sa majesté, subhanahu, as-samir, celui qui entend tout, hein, celui qui entend tout, et c'est tout, c'est souvent relié ensemble, celui qui entend tout, naam, as-samir, on le fera, inshallah, jeudi, prochain, sur la Azzawajal, nous le facilite. Si vous avez des questions, c'est maintenant, inshallah, barakallahu fikum, sur ça, ou sur autre chose. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On a besoin d'un éclaircissement bi-idnillah lorsqu'on invoque Allah Azza wa Jal par Al-Fattah pour qu'il juge entre les gens. On vise le fait qu'Allah Ta'ala rende justice ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah. Naam, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, dans l'au-delà, yani, c'est évident. Parce que le jour de la victoire, le jour de la résurrection, ce jour-là du rassemblement, etc., c'est un jour, justement, qui
a un rapport avec le jugement, dans le fait de trancher, etc. Donc forcément, ça c'est relatif à son nom, et c'est une certitude et une obligation. D'accord ? Quand tu vas invoquer Allah Azzawajal pour qu'il juge entre les gens, déjà tu ne forces jamais Allah à faire quoi que ce soit, naam, et il le fait, il le fera, c'est sûr, et c'est avéré par rapport au jour de la résurrection, mais c'est surtout aussi et surtout par rapport à ton affaire ici et même là, même sans invoquer Allah Azzawajal, il le fera. Allah, il est juste, il aime la justice. Donc il tranche, Al-Fattah, il tranche déjà, ici-bas et maintenant, et il le fera après. Mais il est bon d'invoquer Allah Azzawajal pour demander. Ça ne veut pas dire que si tu n'invoques pas, Allah ne va pas trancher, ne va pas juger. Mais tu demandes. Naam. Hein? Tu demandes qu'Allah le fasse et tranche et juge entre les gens. Par exemple, ici et maintenant, si tu as une affaire qui te cause du tort, tu t'en retournes vers Allah Azzawajal pour qu'il t'aide. Hein? Pour qu'il t'aide. Et tu lui demandes. Tu lui demandes. Et personne ne contraint Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Salam alaikum. J'aimerais savoir par rapport aux gens de la droite. Ashab al-Yamin, oui. Ils délaissent ce qui est détestable. Mais est-ce que je peux avoir des exemples? Mais pour l'époque dans laquelle nous vivons. C'est pas clair ce que tu dis. Non, d'autant plus que c'est pas non plus juste par rapport à ce qu'on a expliqué. Tu confonds As-Sabiqoun avec Ashab al-Yamin. Les gens de la droite, ils font le wajib, j'ai dit, et ils s'écartent du haram. C'est des gens pieux. Ils font pas de péché, ils s'en écartent au maximum, et ils font les obligations. C'est eux. Ashab al-Yamin, les gens de la droite, ils délaissent pas forcément ce qui est détestable, ni ils font ce qui est recommandé. Ça, c'est Ashab al-Yamin. Non seulement ils s'écartent du haram et ils font le wajib, mais en plus, dès qu'il y a une œuvre surrogatoire, ils se précipitent dessus, et dès qu'il y a quelque chose de détestable, non pas d'interdit, mais de détestable, ils le délaissent. Donc tu confonds Ashab al-Yamin et Ashab al-Yamin, premièrement. Ensuite, est-ce que tu parles donc d'Ashab al-Yamin? Dans ce cas-là, eux, ils ne sont pas dans ce que tu cites après, donc tu penses plutôt à As-Sabiqoun. Ils délaissent ce qui est détestable. Mais est-ce que je peux avoir des exemples? Mais pour l'époque dans laquelle nous vivons, je ne comprends pas cette question. Époque ou pas époque, délaisser ce qui est détestable dans les jugements qu'il y a du din, que ce soit à l'ancienne époque ou à cette époque, ou l'époque intermédiaire, tout ce qui est connu comme makrouh dans la religion. Tout ce qui est connu dans makrouh comme étant dans la religion. Une chose est rapportée non pas comme interdite, mais simplement comme détestable, les meilleurs d'entre nous, ils s'en écartent. Tout simplement. Et les gens un peu moins bons ne vont pas s'écarter du détestable. C'est aussi simple que ça. Des exemples, pas pour l'époque. Dans tout ce qui a à voir avec les jugements dans la religion. Hein, les 5 degrés, 5 jugements plutôt, des choses, de toutes les choses. Soit c'est wajib, c'est une chose obligatoire, hein, comme la prière, celui qui fait cela, je vais te donner les 5 jugements, les 5 statuts, comme ça tu vas comprendre, que c'est pas lié à une époque, mais c'est lié à din. La prière, c'est wajib, c'est obligatoire, celui qui fait cela, il a des récompenses, celui qui délaisse cela, il a quoi? Il a des péchés. De l'autre côté du wajib, tu as le haram, l'interdit. C'est boire l'alcool. Celui qui s'abstient de boire de l'alcool, il est récompensé. Parce que c'est une adoration, c'est une obéissance de délaisser l'alcool. Naam. Pour Allah Azzawajal, en tout cas. Il a des récompenses, et s'il le fait, il a des péchés. Au centre, on va dire, tu as le mubah, le halal, le licite. Et manger des pâtes. D'accord? C'est-à-dire, si tu t'en abstiens, t'as pas de péché. Et si tu en manges, tu n'as pas de récompense non plus, à moins que tu le fasses, on l'a vu dans une niya, d'adorer encore mieux Allah Azzawajal. Dans quel cas tu pourras avoir des récompenses. Subhanallah. Puis tu as le mustahab et le makruh. Mustahab, c'est ce qui va être recommandé, enjoint, jeûner Shawwal. Celui qui jeûne Shawwal, il a des récompenses. Celui qui ne le fait pas, il n'a aucun péché. Hein. Celui qui ne jeûne pas Shawwal, il n'a aucun péché. Mais par contre, celui qui le fait, il aura des récompenses. Et le makruh, prier la tête découverte pour un homme. Voilà, c'est détestable de prier sans chéchia. Mais celui qui prie sans chéchia, il n'a aucun péché. Par contre, celui qui met une chéchia en se disant c'est détestable de le faire, ce n'est pas interdit, sinon on rentrerait dans le haram. Mais ce n'est pas du haram, c'est du makruh. C'est simplement détestable. C'est pas interdit. Celui qui prie sans avoir couvert sa tête, il n'a aucun péché. Et celui qui va délaisser cette manière de faire détestable aura des récompenses. Donc,
non pas les gens de la droite simplement, mais les sabirpoun, ils s'écartent de tout ce qui est détestable. Tout ce qui est macro, ils s'en écartent. Des exemples, c'est dans tout ce qu'il y aura, je dis, dans les choses de la religion. Voilà, il n'y a pas d'exemple. Je ne vois pas ce que tu veux dire par exemple à laquelle nous... Des exemples dans l'époque, pardon, à laquelle nous vivons. Voilà, Inch'Allah, en espérant que tu as compris. Wallahu ta'ala a'lam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand on fait du'a et qu'on n'est pas exaucé de suite, est-ce qu'on doit continuer à invoquer, demander? Oui, bien sûr. Ça, c'est ta première question déjà. Oui, bien sûr. Parce que tu peux faire du'a et bien sûr ne pas être exaucé de suite. Ça, c'est pas, yani, c'est pas automatique. C'est Allah par sa sagesse. Est-ce qu'il t'exauce maintenant? Est-ce qu'il t'exauce plus tard? Est-ce qu'il t'exauce pas parce que ta demande n'est pas bonne pour toi? Ou est-ce qu'il t'exauce mais après, dans l'au-delà? Donc il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Hein, par rapport à l'invocation. Pourquoi c'est pas immédiat? Ça peut être immédiat. Ici, maintenant, tout de suite dans cette vie. Ici, maintenant dans cette vie, mais plus tard dans cette vie. Hein, ou autrement que ce que tu as demandé parce qu'Allah a encore mieux pour toi. Ou alors non, Allah il t'exauce pas parce que c'est pas bon pour toi. Ou alors c'est dans l'au-delà. Voilà les différents types de réponses à une invocation. Mais Allah, d'une certaine manière, répond toujours à l'invocation, d'une certaine manière. Soit il lui répond maintenant, soit il lui répond un peu plus tard, soit il la transforme un peu parce qu'il est encore mieux pour toi, soit il te prive, donc tu penses qu'il n'y a pas de réponse, mais il y a une réponse. C'est parce que c'est pas bon pour toi et Allah va encore te donner mieux, soit c'est pour après. Mais il y a toujours une réponse à une invocation. Toujours, 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 toujours. Ça, il faut le savoir. Toujours. Non. Donc oui, on doit continuer d'invoquer et de demander sans se lasser. C'est rapporté aussi dans la sunna, sans se lasser surtout. Sans dire « Ah, j'ai invoqué, ça marche pas, ah, j'ai invoqué, j'ai pas. » Toujours, 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 toujours invoquer, ne jamais se cesser, excusez-moi, ne jamais cesser et ne jamais se lasser d'invoquer. Ça, c'est un manque de sincérité, la personne qui dit « Ah, j'en ai marre, j'invoque plus. » Non, plutôt la personne doit être ardente dans l'invocation de son Seigneur, Azza wa Jalla. Elle doit jamais désespérer ni s'ennuyer de cela. Voilà, hein. C'est un très très bon comportement que de persister sans s'enlacer. Et est-ce péché d'arrêter d'invoquer en se disant qu'Allah nous exaucera au bon moment? C'est pas une question de péché en se disant ça, mais c'est une question que c'est pas correct. Tu peux pas dire péché. Péché, ça aurait été de dire « Ah, de toute façon, Allah ne m'exaucera pas. » Ça, c'est une très très mauvaise pensée envers ton Seigneur. Mais pourquoi arrêter d'invoquer? Pourquoi arrêter d'invoquer? Continue. Ce sont des adorations, les doigts. Pourquoi tu arrêtes d'invoquer en te disant « Allah nous exaucera au bon moment. » Continue d'invoquer. Personne ne comptera Allah, comme j'ai dit précédemment. Continue d'invoquer, Inch'Allah. Tu as quoi à faire tes journées à part adorer ton Seigneur? Pourquoi tu cesses d'invoquer? Tu as mieux à faire? Non. Donc, invoque. Se dire qu'on place sa confiance en Allah et arrête d'invoquer. Non, 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 non. Celui qui place sa confiance en Allah, il invoque. Celui qui, là, il prétendrait « Je place ma confiance en Allah, j'arrête d'invoquer », c'est un égarement manifeste. Se dire « Je place ma confiance en Allah, donc j'arrête d'invoquer », c'est contradictoire. Allah, c'est contradictoire. C'est tout et son opposé. Celui qui place sa confiance en Allah, justement, il invoque. L'invocation est une cause. Et parmi les aspects de tawakkul, c'est quoi? C'est de faire les causes. Tawakkul, c'est faire les causes. Et ils ne sont pas dans tawakkul ceux qui délaissent les causes, comme les soufis, qui restent assis toute la journée pour certains, et qui disent « Nous plaçons notre confiance entièrement en Allah, Azzawajal. » C'est faux. Ce sont des oisifs. De même, là, rentrer dans l'oisiveté à dire « j'arrête d'invoquer », c'est de la paresse, c'est de la fainéantise, « j'arrête d'invoquer, mais zéro, je place ma confiance en Allah », c'est pas vrai. C'est surtout « je suis fatigué, j'en ai marre », et ça, c'est pas bon. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Si vraiment la personne a dit « je place ma confiance en Allah », c'est pour ça qu'on voit là, il y a une incohérence, et une incompréhension par rapport à tawakkul. Si vraiment on se dit « je place ma confiance en Allah », justement, tu vas être encore plus ardent dans le fait d'invoquer. Arrêter d'invoquer est contraire à la confiance en Allah. Je me suis bien fait comprendre. Le tawakkul, ça va avec le doa. Hein? Donc, se dire qu'on place sa confiance en Allah et qu'on arrête d'invoquer, déjà, c'est incorrect. Est-ce permis ou on doit invoquer jusqu'à l'éventuel exaucement? Invoque, 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 invoque jusqu'à exaucement ou pas, ou retard, ou ici, ou après. Invoque. Comme je dis, qu'est-ce que tu as de mieux à faire que d'adorer ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, tous les jours? Il y a quoi? Qu'est-ce que tu peux faire de mieux que d'invoquer Allah Azza wa Jalla? Le croyant ne s'en lasse jamais. Et pour le pardon, il demande toujours qu'Allah lui rajoute des biens, et lui pardonne, lui ouvre les portes du bien, lui donne, le guérisse, l'élève, lui donne de la science. Tous les jours, il demande ça, tous les jours, sans cesse. Protège sa famille, ses enfants, il demande,
Il demande, il ne se lasse jamais le croyant d'invoquer. Si ses journées, il les passe à quoi faire? Parce qu'Allah, il l'a créé pour l'adoration. Jusqu'à sa mort, il invoque Allah Azza wa Jal. Hein? C'était une très bonne question et j'espère que la réponse sera bien, bien comprise également. Allah nous facilite à l'invoquer ardemment, sans jamais nous lasser. Et on répète, et on répète, et on répète, et on demande tout le temps. On ne se dit pas, bon allez, maintenant j'arrête, je place ma confiance en Allah. Non! Si tu places ta confiance en Allah, alors tu continueras. Et lui qui arrête, et qui dit je place ma confiance en Allah, il n'a pas compris. Il arrête d'invoquer, mais à ce moment-là, il ne se dit pas, maintenant je place ma confiance en Allah, il ne fait plus rien en fait. C'est surtout qu'il a, je ne sais pas pourquoi, Yanni, certainement qu'il doit avoir un péché. Parce que si on cesse d'invoquer Allah Azza wa Jal, ou qu'on s'en lasse, c'est qu'on a un péché qui nous bloque la langue et le cœur. Ça, c'est terrible. Quand on est lassé, quand on est fatigué d'évoquer Allah Azza wa Jal, on est fatigué de l'invoquer. Le poids des péchés, on est fatigué de l'évoquer. Ça, c'est terrible, mes frères et sœurs. C'est terrible. Là, il faut vraiment faire taouba. Il y a des lourds péchés sur les épaules d'une personne pareille. Et allez, son cœur, il n'aime plus évoquer Allah. Vous imaginez la punition? C'est grave. Son cœur, il n'aime plus évoquer Allah Azza wa Jal. Son cœur, sa langue, non, il n'y a plus de dehors. Ça, c'est terrible. Quand une personne, elle en arrive à un stade pareil, elle dit, oh, ça y est, elle peut se rassurer en disant, bon, maintenant, je laisse faire. Elle ne laisse rien faire du tout. Bien sûr qu'Allah va lui donner ce qu'il doit lui donner, c'est sûr. Mais en fait, elle ne laisse rien faire du tout. C'est surtout qu'elle est... Elle a le cœur dur à ce moment-là et où elle désespère, même si elle ne le dira pas, elle va désespérer peut-être de l'exaucement. Et dans ce cas-là, c'est vraiment terrible. Et je le répète, qu'est-ce qu'on a de mieux à faire que d'invoquer Allah Azza wa Jal chaque jour, à chaque moment, sincèrement. Comment on peut dire à un moment donné, oh, allez, ça y est, c'est bon, j'ai assez donné, maintenant j'attends. Donc vraiment qu'Allah fasse qu'on ne soit jamais châtié à ce point-là, c'est-à-dire qu'on n'ait plus envie de l'invoquer, ça c'est difficile. Et ne pensez pas... Comment dirais-je, trop demander. Personne ne demande trop à Allah Azza wa Jal. Parce que premièrement, personne ne le contraint, subhanahu wa ta'ala, et deuxièmement, parce qu'il est le riche par excellence. Donc ne pensez jamais trop demander ou trop insister. Ah, j'ai peut-être un peu trop insisté, ça fait trop de fois que je demande. Non, non, non. Si tu demandes 100 000 fois dans ta semaine pardon, mashallah. Si tu demandes 10 000 fois par jour qu'Allah t'accorde un enfant, parce que si c'est un bien pour toi, Allah va te l'accorder. Et d'ailleurs, petite faïda sur l'invocation, tu ne dis pas Allah Azza wa Jal qui connaît tout et que toi tu connais rien. Ya Allah, je te demande un enfant, mais tu précises si c'est pour moi un bien. Non. Hein, ou ceux qui disent comme ils disent Allah donne-moi Inch'Allah. Ça, c'est pas correct dans les invocations. Tu dis directement Allah accorde-moi un enfant. Ou Allah accorde-moi si. Si c'est un bien, Allah va directement te l'accorder. Et si c'est un mal, Allah va directement t'en écarter. Yek. Personne ne contraint Allah Azza wa Jal, il sait mieux ce qui est bon pour toi, subhanahu. Donc, il n'y a pas. Tu dis, Allah, accorde-moi ci, accorde-moi ça, et tu, si c'est 10 000 fois par jour ou par semaine, fais. Si ça te tient vraiment à cœur, demande, puisque ça te tient à cœur. Si c'est bon pour toi, Allah te l'accordera. Naam. Et je dis l'enfant, je dis naam pour la guider, pour la science, pour le pardon, pour tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre, subhanallah, si ce n'est demander à Allah? Tu dis, c'est pas le fait d'être lassé, qu'Allah nous en préserve, c'est le fait d'avoir l'impression d'insister sur une demande en sachant qu'il nous exaucera forcément au bon moment. Je viens de ce que je dis. C'est ce que je viens de dire. Ne jamais penser qu'on demande trop ou qu'on insiste. Personne n'insiste avec Allah Azza wa Jal. Il aime que tu insistes. Comme ça, on expliquait le LMA. Vous voyez comme on est tous ignorants des choses dans la vocation. Il faudrait des cours complets sur le doa. Le doa qui est quoi? Qui est l'essence même de l'adoration. La doa, c'est l'adoration. On ignore énormément de choses. Certains, ils vont penser trop demander. Tu demandes trop à Allah, toi, c'est impossible. Tu demandes trop à une créature. Tu insistes, toi, auprès d'Allah, tu n'insistes pas. Personne n'est insistant dans le sens péjoratif auprès de son créateur. Azza wa Jal, personne. Par contre, tu peux insister auprès d'une créature. Et la créature, elle en a marre parce que ça fait 10 fois que tu frappes à sa porte. Allah Azza wa Jal, il se réjouit lorsque tu insistes. Oui, il va t'exorcer forcément au bon moment. Mais toi, continue de demander. Ça, c'est les propos du prophète, Naam, et des savants. Continue de demander. Ne te lâche jamais. Demande. Oui, il va t'exaucer au bon moment. Mais demande.
Allah, il est ravi de toi lorsque tu demandes beaucoup, et au contraire, il est en colère contre toi lorsque tu cesses d'invoquer. Donc si tu cesses, et peu importe l'impression, hein, tu cesses parce que tu as l'impression d'avoir insisté ou ceci ou cela, Allah, il n'aime pas ceux qui cessent de l'invoquer. Mais Allah, il aime plutôt ceux qui demandent abondamment. Donc c'est vraiment, tout est à revoir. Nous, on prend et on comprend ça à la lumière des gens. Ah, je lui ai demandé un peu trop, je pense que ça va l'agacer. Toute créature est fatiguée au bout d'un moment lorsqu'elle reçoit des demandes. Pas Allah Azza wa Jal. Allah se met en colère contre ceux qui se refusent à l'adorer, à l'évoquer, à l'invoquer donc. Parce que l'invocation rentre dans l'adoration. Comme j'avais fait l'explication d'un verset, là, un certain verset, dans un audio. Donc quand tu sais ça, tu sais que c'est tout le contraire d'une créature. Si tu t'abstiens d'invoquer, Allah il est en colère contre toi, et plus tu vas lui demander, plus il est ravi de toi, et plus il va te rajouter. Donc il n'y a vraiment pas de quoi arrêter de demander. Il n'y a pas d'insistance, il n'y a pas de trop demander, il n'y a pas de choses déplacées. Dis tout ce que tu as sur le cœur et ne cesse jamais. Voilà ce que je pourrais dire à ce sujet, inshallah ou ta'ala. Wallah, subhanahu wa ta'ala, a'lam. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous connaissez des livres fiables qui réfutent spécifiquement le christianisme? Si un de nos parents a été atteint par des ambiguïtés et est retourné au christianisme, qui était sa religion à la base, Allah Musta'in, Allah Yistahi, et que personne d'autre n'est au courant, est-ce qu'il faut garder ça pour nous et essayer de faire revenir bi'idhnillah à l'islam ou informer l'autre parent? Naam, je vois ce que tu veux dire. En termes d'ouvrages, de livres fiables qui réfutent spécifiquement le christianisme, sincèrement, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Naam. Il y a des briefs par-ci et par-là, mais un livre vraiment qui réfute le christianisme, pas à ma connaissance. Certainement, chez les savants, il doit y en avoir aussi des livres en arabe, mais là, ici, un livre fiable comme ça en français, je ne connais pas ça. Non. Il y aura de quelque chose, des petites choses comme ça qui vont en parler, mais sans plus. Non. Après, c'est la personne aussi, le parent qui a été atteint par des ambiguïtés, c'est parce qu'il ne s'est pas préservé dans son deal aussi. Et s'il y est retourné, tu dis, est-ce qu'on ne doit pas mettre l'autre parent au courant? Bien sûr qu'il faut déjà essayer de faire revenir la personne, mais tu ne dois pas garder ça pour toi dans la mesure, par exemple, où admettons, c'est un homme, admettons, et il est devenu donc mécréant par son propre aveu. Il dit, je délaisse l'islam, je reviens au christianisme. Comment tu laisses la femme qui est musulmane rester avec un mécréant? Ça, c'est pas correct. Donc la personne, il faut qu'elle assume son dîn. Si elle cache comme ça, toi, tu as été mis au courant, tu ne peux pas y aller. Continue à dire le salam alaikum, mais peut-être la personne va mimer de faire le Eid et qu'est-ce qu'il en est de la salat, etc. C'est pas possible, il faut que les choses soient claires. Hein. Qu'Allah facilite cette personne-là. Allahu a'lam. Une autre question sur le doigt, peut-on invoquer chaque chose dont on a besoin? Un exemple, on doit être bref et global dans nos demandes. On doit plutôt être bref et global dans nos demandes. Effectivement. Par exemple, parmi les comportements blâmés dans le doigt, c'est d'ailleurs, hein, tout ça c'est dans un livre. Inch'Allah, on fera court un jour sur ce livre. Les règles relatives à l'invocation. Un très beau livre. Inch'Allah, on le fera. Donc, il y aura toutes les réponses comme ça, nos interrogations par rapport aux invocations. Inch'Allah ou Ta'ala. On doit plutôt être bref et global. Et Allah, accorde-moi le paradis, ça suffit. Et Allah, accorde-moi le paradis, et les houri, et les jardins, et les ruisseaux, et les trésors, et ceci, et cela. Et Allah préserve-moi de l'enfer, et du feu, et du froid, parce qu'il y a le froid en enfer. Un froid incroyable, un froid inimaginable. Et préserve-moi du feu, et des pierres, et des charlatans. Non, préserve-moi de l'enfer. Allahumma inni a'udhu bika minan nar. C'est pas kadak minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannata wal-firdaus. Si tu précises, c'est pas ceci et cela. Donc non, on reste bref et global. Allah préserve ma famille, Allah préserve mon père, ma mère, ma tante, mon oncle, mon grand-père, ma grand-mère, mes sœurs, nan, Allah préserve ma famille. C'est suffisant, Allah sait qui est ta famille, Allah préserve les gens que j'aime, Allah sait qui tu es. Allah préserve mes amis, Allah sait qui sont tes amis. D'accord? Donc on reste plutôt bref et global dans les demandes. Nan. Pareil si tu fais les deux. Nan. Peu importe ce que tu demandes, c'est pour une préservation, pour l'au-delà, ou pour une demande spécifique dans des choses de dunya, naam. Allah, accorde-moi un logement.
parce que tu as besoin de logement, par exemple, parce que c'est nécessaire pour te marier, etc. Accorde-moi un logement, il y a un rabbi avec un lavabo, un robinet, une armoire. C'est risible, mais c'est ça, un garage. Accorde-moi un bon logement. Il y a un rabbi, accorde-moi un logement. C'est suffisant. On reste bref, global, Allah sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Il n'y a pas besoin de décrire les choses comme ça, Allah Azzawajal, et ça aussi c'est rapporté dans ce livre-là. Plutôt, on restera vraiment très 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 concis. Et c'est suffisant pour Allah. Pour nous, nous autres créatures, nous autres, on a besoin qu'on nous décrive. Ah, il faut ça et ça et ça. On a besoin, parce qu'on ne comprend pas. Mais Allah, il lit dans ton cœur. Comment, Yanni ? Juste, tu dis, et le pire, ou plutôt le meilleur, non pas le pire, le plus beau, là, c'est qu'Allah sait déjà ce que tu vas dire avant même que tu l'invoques, mais il aime que tu l'invoques, comme le rapporte Ibn Qayyim, Al-Jawziya, Rahmallahu Ta'ala. Allah, Azzawajal, sait déjà ce que tu vas lui demander avant même que tu formules l'invocation. Mais il t'a demandé de l'invoquer quand même, et il aime que tu l'invoques. C'est beau, non? Très beau. Donc, demande, sans jamais te lasser, sois bref, concis, fais des belles doigts, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah nous facilite l'invocation et nous exauce. Wallahu Subhanahu Ta'ala, a'lam wa ahyam, subhanaka humma wa bihamdik, shadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Barakallahu fikum. Demain, Inch'Allah, 16h environ pour le cours sur les annulatifs de l'islam, la deuxième partie de l'intercession. Naam. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته